Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Vraiment, c'est le cœur très très meurtri que je me permets de faire ce direct-là très 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 vite, très rapidement, parce que je suis même pas en état de pouvoir faire des vidéos, je ne suis pas en état de pouvoir parler. Vous comprenez? Mais vraiment, je vous demande pardon et excusez-moi, je suis pas trop vidéo. Il y a quelque chose qui se passe. Vraiment. Merci, merci de nous soutenir dans ces douloureux moments que nous traversons. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ça montre à quel point vous aimez mon petit frère. On a perdu un être cher, on a perdu une icône. Mais, chers amis, je veux juste passer une information. Je ne veux pas que la mort de mon frère soit une assiette à sucre ou une assiette à miel pour certaines personnes. Je vous demande pardon. Faut pas profiter de la mort de quelqu'un pour faire certaines choses. Je vous demande pardon. Je suis encore au Tchad. Les gens sont en train de spéculer des choses là-bas. J'arrive pour les obsèques de mon frère. Je vous demande pardon. Ma pauvre mère a quitté le village. Elle est venue pour les obsèques de mon frère. Elle est très malade. Personne ne s'attendait à ce qui est arrivé là. Personne n'a souhaité ça. Personne n'a prévu ça. Il y a des personnes mal intentionnées qui se sont levées hier pour aller agresser mon petit frère. Mon petit frère qui me suit directement, Rouen Séverin, après moi celui qui vient. Pour aller l'agresser à 3 h du matin, hier, chez lui, à la maison, à Angers. Sous prétexte qu'ils ont été envoyés, que lui garderait une forte somme d'argent chez lui à la maison. Ils ont frappé ma pauvre maman, qui est chez mon frère, là-bas. Ils ont mis toute la maison. En vrille, ils ont tout pris. Les pauvres petites économies que le monsieur avait pour pouvoir gérer la vieille et ses enfants. Ils sont partis avec tout, hier nuit, qu'ils ont été envoyés. Quelqu'un qui est en train de se faire agresser là, il ne sait pas ce qui se passe. Hein. Il ne sait pas ce qui se passe. Ils sont partis le menacer là-bas, partis frapper la pauvre dame, frapper la femme du monsieur, frapper le jeune pour ne rien. Renverser sa maison. Ils ont pris les téléphones, tout ce qu'ils pouvaient trouver de bon, ils ont pris, ils sont partis. Ils étaient même sur le point de le tuer. Sous prétexte que s'ils ne montrent pas où l'argent est. Le jeune se cherche, il a quel argent sur lui. Il se cherche, il a quel argent sur lui. Les personnes qui ont envoyé ces personnes-là, sachez une seule chose. Dieu qui est assis en haut là-bas, Dieu qui est assis en haut là-bas, il voit le cœur de tout le monde. Il voit le cœur de tout le monde. Il voit le cœur de tout le monde. Ne profitez pas de la situation du fait que nous en soit en deuil pour vouloir essayer de vous sucrer dedans. Non. Parce que où je suis là, je n'ai que mes fesses à terre pour pleurer, pour pouvoir enterrer mon frère. Je n'ai pas des milliards, je n'ai pas des millions, je n'ai rien. Un pauvre, ça a ses fesses à terre qu'il enterre son mort. Chez nous, c'est comme ça se passe. Je n'ai vraiment rien. Mon frère n'a pas les moyens de prendre les autorités, mais de prendre la police pour aller mettre chez lui. Je lui ai demandé de partir faire une déposition à la police, qu'il le fasse. Je ne sais peut-être rien dans ce pays-là, mais je suis TV3. Et je suis encore un artiste de ce pays. Je suis un fils du pays. Je suis un Ivoirien. Ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas quelque chose qui est en train de me plaire. Ce n'est pas quelque chose qui est en train de me plaire. Aller agresser le pauvre jeune. Sous prétexte que vous avez été envoyé, comme quoi il garderait une forte somme d'argent. C'est lui qui garde l'argent pour enterrer Arafat, mais c'est lui qui garde l'argent pour. Il a quel argent sur lui? Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu la mort d'Arafat, vous n'aurez jamais connu chez lui jusqu'à aller l'agresser. Parce que depuis combien d'années, vous ne le connaissez même pas. Arafat est mort maintenant là. Vous savez que non, c'est son frère. Vous devez passer l'agresser. À vous, pardon, 10 minutes, ça me gêne. Vous êtes obligé de partir l'agresser. Franchement, je vous demande vraiment pardon. Je vous demande vraiment pardon. Que les autorités fassent leur travail. On n'est pas la meilleure famille de Côte d'Ivoire. Hein. Franchement, on n'est pas la meilleure famille de Côte d'Ivoire. Les embrouilles, là, on évite ça. On n'est pas la meilleure famille de Côte d'Ivoire. Franchement, la toile, là, ça n'a qu'à baisser un peu. Parce que la vie continue. Mais partir agresser le pauvre enfant jusqu'à aller porter main à ma maman, ça, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter. Je ne peux même pas supporter, je ne suis pas d'accord pour ça. La pauvre vieille, là,
Si c'est pas parce que son enfant est décédé aujourd'hui là, qu'elle est venue s'asseoir à Abidjan, venir pleurer là, jamais vous ne la verrez. Mais même sur les réseaux sociaux, ma maman connaît pas Facebook. Elle connaît pas ce qu'on appelle Internet. Donc ces personnes là, vous avez fait ce que vous avez fait hier nuit. Hein. Que Dieu vous bénisse dans votre bêtise. Vous avez volé ce que vous avez volé. Vous avez porté main à ma maman. Allez-y, ça. Que Dieu vous bénisse. Tôt ou tard, il y aura un jugement dernier. Vous rendrez des comptes. Moi, je ne suis pas Dieu pour vous juger. Mais vous rendrez des comptes. Mais de grâce, ne profitez pas de cette situation-là. Pour qu'encore autre chose arrive à un quelconque membre de ma famille. Parce que je n'ai même pas encore pu enterrer mon frère. Que déjà encore, on commence à agresser ma famille. Vraiment, je vous demande pardon. J'ai fait ce direct-là. Et je ne dirai plus grand-chose. Trouver machette où on vend machette à Abidjan, où on peut trouver âme là. Nous tous on sait où ça est. Hein? Mais on a décidé d'être juste et bon dans la vie. Et grâce où je suis là, je pas. J'évite même les réseaux sociaux. En ce moment-là, j'évite les réseaux sociaux. Je vous demande pardon. Je n'ai pas les moyens. Hein? Mais pour pouvoir payer au moins des agents de police pour les mettre là-bas pour qu'on suive ma pauvre maman là, je vais le faire. Je vais trouver les moyens de faire ça. Laissez ma famille en paix. Laissez ma famille en paix. Sinon, vous allez enterrer beaucoup de personnes. Franchement, je vous demande vraiment pardon. Pardon. Je vous demande beaucoup pardon. Je vous demande pardon. Laissez ma famille en paix. Laissez ma famille en paix. Où on est là, c'est aide pour enterrer à la fois qu'on cherche. Il n'y a pas million, il n'y a pas milliard chez moi. Donc, vraiment, pardonnez. Pardonnez. C'est les fesses à terre. La tête, le front, au sol, et je vous demande pardon. Si vous pouvez nous aider, aidez-nous. Si vous ne pouvez pas nous aider, ne nous dérangez pas. Parce qu'on ne traverse pas de bons moments en ce moment-là. Je n'ai même pas encore fini d'enterrer mon frère que vous allez partir faire du mal à ma pauvre maman. Je ne peux pas supporter ça. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ce qu'ils l'ont fait là, ce que vous avez pris là, si ça peut vous faire réussir dans la vie, que ça vous fasse réussir. Mais Dieu qui est là-haut là, il n'est pas Gawa. Et on n'a pas encore trouvé de date pour enterrer Arafat. Vous publiez déjà sur la toile, déjà. Les gens publient déjà le jour même de ses funérailles. Vous publiez déjà le jour de son enterrement et tout. C'est vous qui décidez. Continuez. Dieu qui est en haut là-bas, là. Il vous regarde. Dieu vous voit.